nalingana kamwe esanga ekoti mobulu nalingana kamwe So today I was able to meet with some of the diaspora that we have here in the UK. This is always valuable opportunities for us, as I said during the discussion, that it's important that we hear from the diaspora, partly because of course the networks in Congo are wider and better than ours, so to learn about what's happening on the ground, and partly because of course the diaspora has a contribution to make into the solution to what is a very difficult and intractable problem in the DRC. Bon, nous sommes allés nous concerter avec le ministère des Affaires étrangères de la Grande-Bretagne pour les problèmes qui se posent au pays. Mais nous devons nous réaliser que l'Angleterre soutient le régime du pays. Et il n'y a que nous qui avons cette responsabilité de nous organiser. C'est ainsi que nous nous organisons autour d'une banque, avoir de l'argent pour que nous puissions... Oui, pour que nous puissions bien nous organiser et développer notre pays. Moi, je crois que venir tout le temps ici, là, ça ne vaut pas la peine. Bon, on a eu des échanges avec les officiels des affaires étrangères britanniques. On a fait une revue sur la situation générale du Congo et la situation générale aussi de la Grande-Bretagne par rapport au rapport qu'ils entretiennent avec la République démocratique du Congo sur le processus électoral et les enjeux de la crise actuelle qui secoue sérieusement la République démocratique du Congo. Non, c'était une réunion de tour de table avec le représentant de la Grand Lac ou l'envoyé spécial de Grand Lac du gouvernement britannique. Nous étions juste pour cette la situation sur ce qui se passe chez nous, essayer un peu de voir, d'explorer un peu de pistes de solutions. Voilà ce que nous sommes venus faire. On les a suggéré un peu quelques points. Ils nous ont donné leur position, la position du gouvernement britannique. Bon, on est venu avec l'ensemble de nos collègues de la diaspora congolaise pour parler des enjeux politiques qui se passent dans notre pays en ce moment, notamment avec le non-respect de l'accord du 31 décembre. Nous sommes venus pour voir comment nous pouvons faire à ce que cet accord puisse être appliqué pour sortir notre pays du désordre en ce moment. Toyaki Rokutana Naba, représentant Obatala Makamouya Afrique, Toyaki Nabango, Pessi Badoléance Nabiso, Obazalaki Naba question Baposé, Obazalaki Naba contribution Basali, Obazalaki Naba observation Pébasali, Yantoyelaki Awa. Bon, tout ça là qui est invité na ministère awa pour la crise oyo ils ont préoccupé Bogarabiso RDC et on est répondre à l'invitation na bango. Bon, tout ce que na les décideurs du monde, hein. Vous savez, nous sommes aujourd'hui, le monde est devenu uni. On ne peut pas faire aujourd'hui politique sans être en contact avec les décideurs. Bien sûr que combat n'a pas maintenant sur place au Congo, mais nous de la diaspora, nous pensons que comme toza sur place na mboka kunate, étant ici, tu occupes que ça la moins effort, contacter les décideurs, faire aussi une pression de notre manière, de façon que la situation ait évolué dans Mboka. C'est tout ce que nous venons de faire tout de suite là. Yeah, well, as I said during the discussion, it's a difficult process. It's a long and slow process. What we want is a Congolese solution. That was one of the reasons why the 31st of December agreement was so important. It wasn't imposed by the outside. There was no external mediation. There was the Catholic bishops in Congo who negotiated between the political parties. That's the way that it needs to happen in Congo, not necessarily being imposed by outside. We will put pressure where we need to put pressure to encourage that solution, but it must come from within the Congo. Non, ils nous ont simplement promis qu'il y aurait des sanctions ciblées. Et ce sont ces sanctions-là qui amèneront petit à petit Kabila à s'impliquer. S'il ne s'implique pas, donc ils verront d'autres solutions. Donc ils ne voulaient pas. Et si ce n'était pas le lieu le mieux indiqué pour essayer un peu d'entrer en profondeur de ce qu'ils pensent, ce que le gouvernement de Sa Majesté pense par rapport à la situation qui prévaut chez nous au pays. Bon, ils ont prêté l'attention particulière sur l'illégitimité de l'actuel
gouvernement de la République du Congo, précisément le M. Joseph Kabila. Et ils ont considéré, et ils sont en train d'étudier actuellement les actions qu'ils devront entreprendre pour que l'accord de la Saint-Sylvestre qui s'était déroulé à Kinshasa le 31 décembre, sa mise en œuvre puisse être effective avec la résolution 2348 des Nations Unies qui demande à ce que toutes les parties, spécialement le président Kabila qui a démontré jusqu'à preuve du contraire le manque de volonté d'appliquer cet accord pour que ça aboutisse et qu'il y ait les élections réellement démocratiques à la fin de cette année. Bon, ils ont dit qu'ils sont toujours en train de travailler malgré que la procédure est un petit peu lente. Nous avons fait des pressions puisque nous avons assez. Ça a assez duré, hein. C'est plus de 15 ans maintenant que nous voyons ce genre de choses se passer. Et alors, la solution sera lente, mais je demande à la diaspora d'être serein, de garder foi. Mais la solution y est, on est là, nous ferons l'effort pour ce que les élections se passent en fin décembre, pour que la solution il doit trouver, puisque on en a marre, quoi. Bon, bah lobby que non, les Congo bazo meka ko aider biso mais bazo yé batté exactement ce qui se passe où ils sont au courant où bazo ko build up dossier na Nations Unies azalaka malembe pona ko sala ko constituer ba dossier na bango. Ya onde réponse a pesinga mais pona ngai eza a 7. Bon, ba réponse na bango soko tali eza positif, ce qui au talent de Mindele, surtout en anglais. Donc, il y a toujours malembe. Donc, ils ont la procédure. Donc, malembe. Mais avec assurance. Donc, Busson de Paix, tout s'organiser. Et puis, tout garder toujours contact qui a bien à Bango. Et tout multiplier. Ma meeting au Boye et puis tu connais qu'on peut ça va proposer à Bisso et puis tu as quand même pas solution et tu as bango dengue va le bazo tu as peu pression donc ça bien pour Bisso parce que tu as mon qui les allait dans le baga na mon qui l'on des tozali relation internationale ça sera toujours donc pression ya bango mindé les sito bango ba ça toujours ba power de ben bango donc sans bango pe et ça moi passe pour makamusu joué et que na direction ya malamu donc il faut pression la bango pression biso moko donc je crois que les tous allez 10 pression ça qu'on en mboka côté pe toi na pression donc voilà quoi donc tous qui ndeka na direction ya bien donc ba réponse na bango et ça nga personnellement na sepeli nango parce que ça ko rassurer et ben voilà donc c'est ça. Bon, ce que j'ai retenu en résumé, parce que la question est qui peut être mais na bimi na moi idée moko que Mundele aza mutumoko aza observateur et aza la kamakamuna epe malembe. Nous avons au moins retenu qu'ils nous ont promis qu'il y aura des sanctions. Ces sanctions là, bazo en train d'étudier parce que communauté internationale, il faut le même langage sur le Congo. Je crois que la Grande-Bretagne aza parmi les décideurs du Conseil de sécurité des Nations Unies, je crois qu'ils vont se concerter tout en tenant compte de la réalité sur le terrain et ils vont pouvoir prendre des mesures pour aider le peuple congolais. Un dernier mot, je crois que nous devons tenir bon. Il n'y a pas à s'inquiéter parce que la victoire, elle est déjà acquise parce que le peuple est déterminé. Un peuple est déterminé, on ne peut jamais l'arrêter. Donc que le peuple tienne bon et nous sommes en train de compatir et réellement nous lançons un appel international sur les massacres et les fosses communes qu'on est en train de découvrir au Kasaï pour qu'une enquête internationale ait réellement lieu. Well, we're not getting into Libyan policy. There is already a peacekeeping mission present in DRC, and so you know the nearly 20,000 troops that are there to impose stability. We are not in the business, therefore, of sort of any sort of invasion or direct military action, because there is already a military presence, an international military presence there. Thank you very much. We'll be right back.